Bon, bonjour à tout le monde déjà pour commencer, j'espère que vous avez tous la forme. Nouvelle vidéo un peu spéciale, je dis toujours ça, je sais. Donc aujourd'hui, on a quoi et où? Aujourd'hui on est sur ce site classé, c'est un site classé, c'est un musée de la mine de Petit-Rosselle qui avait une exploitation minière jusqu'en 86. En 86 ils ont arrêté de travailler ici, ils ont fermé et ils en ont fait un musée. Donc dans ce musée, donc là on le voit, ils ont ouvert un restaurant il y a peu de temps, donc je vais vous le montrer après. Donc je trouvais le lieu incroyable et on va présenter ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui on a un taureau. Un taureau orange. Présentation d'une Lamborghini Gallardo, les toutes premières. Par contre, pas n'importe laquelle. C'est là où il y a le sujet. La boîte de vitesse. La boîte de vitesse manuelle. Donc on va vous présenter un petit peu cette voiture. Donc on est aujourd'hui sur du V10, on n'est pas sur du M, on est chez Lamborghini, sur du V10, donc 5 litres, V10, 40 soupapes, 500 chevaux, 510 Nm, régime max 8002, donc mieux dire que ça chante bien. Bon, je vais vous présenter un petit peu la voiture, vous la montrer, comme ça vous verrez un peu. Tours. Quand on regarde ça, la zone rouge elle est à 8,2, il y a le 10 000 au compte tour, on dirait un peu une moto, et là on est sur une boîte manuelle. Donc sur une boîte manuelle, ces voitures ont été conçues, les premières, les 500 chevaux, les phases 1, donc celle-là avec les feux à l'arrière qui sont un peu différents des autres. Donc là on le voit, ça a été conçu de 2003, 2004, 2005. Après, ils sont passés à la LP 520, ils sont passés à la 540 et la 560. Donc la 500, elle a été faite que 3 ans. Et là, on a une boîte manuelle, donc comme je l'ai dit, donc cette fameuse boîte manuelle, c'est 2% de la production des Lamborghini, c'était les boîtes manuelles. Tout le reste, c'était des boîtes auto-robotisées, là, comment on appelle ça, là, automatique robotisée. Donc là, on en a que 2%. Donc pour dire comme quoi que... Donc c'est pour dire comme quoi qu'en France, il n'y en aura pas beaucoup. Peut-être une en Allemagne, et ça s'arrêtera là. Parce que 2% sur les peu qu'ils en ont fait, je pense qu'il n'y en aura pas 10 000. Bon, on voit, c'est monté sur du 19 pouces, hein. Donc là on le voit, hein. Sur du 295, 35, non 30 par 19. Il y a deux étriers de frein, pourquoi il y a deux étriers de frein? Peut-être qu'il y en a qui le savent. Celui-là, c'est celui-là qui est sur la pédale, c'est pour freiner au pied. Le deuxième, c'est le frein à main. Parce que sur ces étriers-là, il n'y a pas de frein à main. C'est pour ça qu'il y a deux étriers de frein. À quoi ça ressemble la mécanique de cette voiture? Alors pour ouvrir, il faut aller derrière. Ici. Et le moteur, évidemment, central arrière. Pas devant, au milieu. Là, on voit. Donc celle-là a deux papillons. Elle n'en a pas 10, elle n'en a pas 8, pas 6. Il y en a deux. Donc là on voit bien les deux rangées de cylindres. 5 cylindres de ce côté-là. On va compter les adjusteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté la même chose. Les deux boîtes à air. Les deux papillons. Les deux filtres à air qui sont là. Et derrière on a l'échappement. C'est beau quand même. Hein. C'est encore des vraies voitures. Avec du vrai bruit. Faire une petite surprise. Donc comme vous avez vu, on est sur un site industriel minier, donc qui a été travaillé jusqu'en 86. Donc jusqu'en 86 il y avait des gens qui travaillaient, c'était ouvert, donc ils prenaient du charbon et tout ce qui s'ensuit. Donc en 2001 il y a eu la création du syndicat mixte et il y a eu une réhabilitation donc du bâtiment du siège Vandel en 2012. Donc ils ont fait ça avec la création du musée des mineurs. Donc comme vous avez vu derrière, il y a les chevalements. Donc les chevalements, c'est les cages d'ascenseur qui descendent vers le fond. Donc on les a vus, donc je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Donc ils sont là-haut. Et depuis de février 2022, donc depuis cette date-là, ils ont créé un restaurant. Donc qui a vu le jour ici, qui a été nommé Atelier 1904. Donc pour ceux qui veulent venir manger au restaurant qui est ici, donc c'est un restaurant qui est, on va dire, un peu industriel, on va dire industriel parce que vous mangez sur un site avec une terrasse qui donne vue sur le musée, là où on avait la voiture à l'instant. Donc ça, je vais vous le montrer maintenant. Je vais vous montrer ça, comment que ça se passe. C'était un atelier forge avant, donc il faisait de tout ce qui était forge. Et là, on est passé maintenant sur un restaurant. Donc le restaurant, il a une belle vue avec des grosses vitrines, donc on va vous le montrer. Et il donne vue sur le plateau qu'il y a derrière, où il y a la voiture qui était là. Donc là, on voit bien. Donc ici, on est au niveau du lavoir, donc ça c'est un lavoir. Et là on va aller maintenant, on va passer vers le restaurant. Alors je vais vous montrer ça. Donc là on voit l'encart avec marqué entrée, donc pour tous ceux qui veulent venir visiter. Donc je mettrai le lien en haut dans la description, donc vous verrez dans la description le lien pour le musée, pour venir visiter le musée, parce que c'est très sympa à voir. Et il y a tout ce qui se passe aussi au niveau du restaurant. Par contre le restaurant, il faut obligé réserver parce qu'il est tout le temps plein. Bon, là, un truc un peu rigolo. Le garde du site, il avait sa propre moto. Donc son métier, c'était de rouler avec ça. Donc il roulait avec cette moto. Avec cet équipement-là. Bon, ça change des équipements qu'on a aujourd'hui, hein. C'est un peu différent. Il avait ça. J'ai pas ça non plus quand je fais de la moto. Et en fait, lui, avec ça, il surveillait tout le site. Donc sa journée, c'était de se promener en moto sur le site. Un peu comme les jeunes, ils font maintenant en moto, sauf qu'il était payé. Nous, on n'est pas payé. La salle des pendus. La salle des pendus, c'est quoi? La salle des pendus, eh ben, c'est là où les ouvriers mettaient leurs vêtements. Donc quand ils revenaient du travail, donc là, il y a les bleus de travail, ils étaient mouillés. Il y avait un système de ventilation qui les séchait, pour qu'il n'y ait pas d'odeur et pour qu'ils sèchent. Et à côté, ils mettaient leurs habits de civils qui étaient suspendus, donc personne ne pouvait les toucher. Et chacun avait son cadenas avec sa chaîne. Donc du coup, ben, personne ne pouvait les prendre. Bon, on va aller visiter le restaurant. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors là, on voit le fameux train. Alors ce train-là, il transportait des gens d'une mine à l'autre, d'un puits à l'autre puits. Ça s'appelait une Micheline, surnommée Picasso, parce qu'il a l'oreille en haut. Et en fait, l'oreille qu'on voit là-bas en haut, tout en haut là-bas, c'était là où il y avait le conducteur du train dedans. Donc dans ce train-là, il n'y avait que les gens qui étaient transportés d'un truc à l'autre. Et là, on va vous montrer le restaurant. Bon, on vous a montré un petit peu comment c'est dans le fameux musée, donc on vient de le voir. Donc pour celui-là qui est vraiment intéressé, je ne peux pas tout vous filmer. Il pourra venir visiter, donc les tarifs au début ils sont affichés, donc on les voit. Pour celui-là qui veut, il a qu'à téléphoner, prendre rendez-vous et venir voir, parce que ça vaut quand même le coup. C'est quand même hyper réaliste et très beau comme site, donc n'oubliez pas de venir voir. Et pour celui-là qui va au restaurant, c'est pareil. Donc on va continuer un petit peu. Et puis j'espère que ça vous a plu. Allez hop. Bon, maintenant qu'on a passé un petit peu à la mécanique. Au moins que vous voulez encore voir la mécanique. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Avec le seuil de porte. Gallardo. Les panneaux de porte. On a Alcantara. Avec une petite surpiqûre orange pour rappeler la couleur de la voiture. Les sièges semi-cuir, semi-Alcantara. Les enfants, ben, y en a pas. Quand on roule ce genre de voiture, on n'a pas d'enfants. Le petit ciel de toit que j'adore, on a Alcantara. Bon, comme j'ai dit, une boîte manuelle. La boîte manuelle avec la fameuse grille. Ça c'est... Tout le monde a voulu... Tout le monde voulait toujours les boîtes automatiques. Parce que dans les années là, les boîtes automatiques, je sais pas, peut-être c'était les 0 à 100 qui étaient plus rapides, peut-être le changement de vitesse, peut-être c'était plus fun. Mais comme je dis dans toutes les vidéos, moi je suis boîte manuelle et je suis pas boîte automatique du tout. Après une boîte automatique, je dis sur une série 7, sur une classe S, ok, sur un 4x4, je veux bien, pour rouler tous les jours, c'est bien. Mais sur une voiture sportive, quand on roule, c'est le conducteur qui a envie d'avoir du plaisir, qui veut rouler, qui veut sa boîte manuelle. Les tarifs, je sais que sur une Porsche, c'est 15-20 000 de plus quand c'est en boîte manuelle. Sur ceux-là, je crois que c'est encore pire, parce qu'il n'y en a que eu 2% de la production. Donc Lamborghini n'en a pas fait beaucoup. C'est une boîte qui est spécifique pour la Gallardo. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte de vitesse qui provient d'une Audi ou d'une autre voiture ou d'autre chose. Donc ça a été conçu vraiment que pour cette voiture-là. Donc je pense que le jour où la boîte de vitesse-là, elle a un stress ou un problème, je pense que le portefeuille, ça va coûter très cher. Après, on retrouve un petit peu les commandes. Donc les commandes de chauffage qu'on reconnaît, c'est les commandes de chauffage qui proviennent un peu de chez Audi. Parce qu'il y a eu un union avec Lamborghini et Audi dans ces années-là. Donc du coup, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu, que ce soit du Audi. Alors on retrouve les compteurs, ça reste bien évidemment les compteurs de la Lamborghini. Mais par contre, commande, le frein à main, ça ressemble aussi à du Audi. Et il y a plusieurs autres choses comme... les interrupteurs là, ça ressemble aussi. Donc ça provient de chez Audi. Là pour les rétroviseurs c'est pareil, ça ressemble aussi. Donc il y a une union avec Audi, donc ils ont pris quelques pièces chez Audi. Mais bon, ça reste quand même une Lamborghini Gallardo, une boîte manuelle, un 5 litres V10. Maintenant on va écouter ce que ça donne sur la route. Quel bruit ça fait derrière au pot, qu'est-ce que ça donne et à quoi ça ressemble quand ça roule. C'est parti. Entre, ça c'est pas possible. Ça touche un peu sur les bosses, faire un peu doucement. Mais le bruit il est quand même sympa. Hein. Le V10, ça restera un V10. Hein. Ça on peut faire comme on veut. Hein. Bon, on va vous montrer un petit peu ce que ça ressemble de l'extérieur. cette vidéo-là, on s'arrête là. Donc j'espère que ça vous a plu, qu'on en aura des autres comme ça, que ça vous a appris plein de choses, qu'il y a eu des belles images, du bon don de partager. Une chose, faut pas oublier. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Exactement, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Et pour ceux qui veulent, qui ont un véhicule un peu d'exception ou quelque chose de spécial, comme ça, qui me le disent, qui m'envoient un message par Insta ou par YouTube, et on pourra présenter son véhicule. Donc gardez la forme, c'est le plus important, et à plus, ciao. Donc ils ont créé un musée avec cette histoire de musée qu'il y avait ici, donc ils ont créé un musée.